Je suis Manon Langeoire, je suis artiste visuelle de 28 ans. Je travaille majoritairement avec la photographie, l'installation et un peu la sculpture. Et je suis actuellement en résidence à bord du Tara, au large du Brésil, pour la mission Microbiome. Alors j'ai découvert le projet Tara il y a quelques années déjà. Cette année, j'ai décidé de postuler et de proposer un projet qui va s'intituler « Les particules, le compte humain d'une eau qui meurt ». Et c'est un projet sur la pollution plastique des océans. Les premières idées à bord, ce serait de reconstruire des monts sous-marins, puisque là, on s'apprête à se retrouver au-dessus de monts sous-marins. Et donc de travailler cet imaginaire-là. Et j'ai déjà fait quelques photos en avion sur le trajet pour arriver à Salvador. Et donc l'idée serait de les traiter en cyanotype pour avoir un rendu vraiment bleu, couleur océan. Et ça serait la potentielle vision qu'on aurait de ces montagnes vues depuis la surface de l'eau. Donc là, on va faire du cyanotype. J'ai préparé mes feuilles qui ont déjà été sensibilisées. Et ensuite, on fait un soleil avec un négatif. Au soleil. Donc maintenant, on attend de voir si ça marche. La feuille devrait commencer à devenir bleue. Voilà, puisque c'est un procédé cyanotype, comme son nom l'indique, qui donne une photo monochrome de couleur cyan. En fait, je me questionne beaucoup sur la manière dont la société évolue et comment notre quotidien a un impact sur la nature qui nous entoure. Donc en fait, tous les projets que je fais, c'est toujours des faits de société que j'ai rencontrés ou sur lesquels j'ai lu et sur lesquels j'ai envie d'avertir le public peut-être de manière un peu plus didactique et plus facile d'accès entre guillemets.